hablar mal de ellos. Nada quedará grabado. Okay, great. Okay, donc, comment vous allez avec le devoir? Vous avez vu que vous avez du devoir? ¿Vieron que Debo. teníamos tareita? Tarea. ¿Debo a tarea? Devoir, oui. Debo. Oui. Laisse moi Poem, écrire. poema. Ajá, avec Poema. les couleurs. Le Un color. poème différent parce que les sommes pour Lupita, pobrecita Lupita, les sommes parlaient toute la classe passée de merde. Toute la classe passée. Oui. Ay, no, j'ai écolé. J'ai écouté, très bien. Écoutez. Oui, devoir, c'est tarea. Aussi, il y a un mot qui c'est tâche. Mais tâche, ce n'est pas comme le devoir. Tâche, c'est plus comme un chore. Et je ne sais pas comment on dit chore en espagnol. Comme les choses à la maison, comme las obligaciones de casa. Oui, tâche. Parce que si vous cherchez au traducteur, tâche va Tâche. dire tarea. Oui. Ou si vous cherchez tarea, probablement vous trouverez tâche. Mais tâche, c'est plus comme une obligation à la maison. C'est plus comme un chore. Comment on dit chore en espagnol, Marisol? Il y a une traduction? Tarea Oui. Deberes de la maison. Oui. deberes, Ok, bon. Ça, c'est une tâche. Le devoir, le homework, c'est devoir. Oui. Ok. Marisol, tu veux commencer avec ton devoir? Okay. Ta poème, s'il te plaît. Yeah. Le papillon est rouge et orange. Le papillon est petit. Le flow est rouge et jaune. Delicat. Les gens sont comme le colère. Les gens sont blancs. Noirs. Noirs. Et jaune. Mais les jeans son gris, gris, y también les jeans. Ok, très bien, excellente. Bien jolie, oui, bon, on comprend. Et on a utilisé toutes les couleurs. Très bien, ma chérie. Et Dianita, tu as fait ton devoir? Voy la long temps que llevo sem la remont a 18 ans, 18 ans, no, di, sí, 18 ans, vos et rose, je suis blem, je lips here, vos le primets. Oh mon Dieu, quelle jolie, très bien. Excellente, excellente, très bien. Lupita? ¿Cómo se dit? No hice la tarea. Je n'ai pas fait le devoir. Yo no empecé de. Ok, laisse-moi vous écrire. Bon, Lupita, mais tu avais reçu tous les commentaires des sommes mardi. N'ai pas fait le devoir. Je n'ai pas fait les devoirs. Je n'ai pas fait le devoir. Ok, très bien. Ok, bon, ça va, ça va, ça va bien. Bon, je vais ouvrir un jam. Oui. J'avais une question. Je ne me rappelle pas. Et on a commencé à voir la négation, oui. Et on a vu la restriction. Oui, on a vu la restriction. Ok, très bien. Mais aujourd'hui, on a demandé quelqu'un pourquoi, bon, comment on dit les mois de l'année, oui. Et je crois que on ne connaît pas les mois de l'année. Oui, attendez. Laisse-moi ouvrir ça. Tout, 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 tout. C'est pour marquer ici. C'est visible maintenant. Vous pouvez le regarder. Ya lo pueden ver.
Oui. No. No. Oui. Oui. Ok. Oui, oui, oui. Très bien. Vous vous rappelez que je vous ai demandé parce que nous allons voir les dates, oui? Attendez. Quand nous étions en train de nous présenter, on n'a pas demandé quelle est la date de naissance. Qu'est-ce que c'est? Quelle est ta date de naissance? Nacimiento. Oui. Je veux dire, par exemple, moi, je suis née, double E parce que je suis femme, oui. Je suis née le 21 novembre 1976. Quand on a dit? 1963. Ahora. Adriana. 66. O sea, sí estoy viejita, pero no tanto. No, la voz de capresa para Diana. 83. Ay, merci, ma chérie, no. 1966. 66. Oh, que la. 76. Oh mon Dieu, je suis vieille, mais pas beaucoup. Si, estoy grande, pero no tanto. Je sais, je sais. Ok, je suis née le 21 novembre 1976, oui? Et vous? Comment est-ce que vous allez dire votre date de naissance? Comment le vamos a decir? Vous connaissez déjà les chiffres, oui? Mais vous ne connaissez pas les mois de l'année. Nous faltan les mois de l'année. Ok, on va commencer. S'il vous plaît, répétez. Janvier. 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 Février. 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 Très bien. Mars. Mars. Avril. Avril. Mai. 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 Juin. 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 Juillet. 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 Fais attention à la prononciation. Juillet. 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 Non, juillet. 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 Ah, comme Marisol a dit, juillet, mais plus rapide. Mais. Juillet. 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 Comment se dit? Juillet. 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 Très bien. Juillet. Juillet. Août. 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 Septembre. 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 Octobre. 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 Bro. Octobre. Novembre. 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 Décembre. 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 Oui. Ok. Répétez, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Janvier. 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 Février. Février. Mars. 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 Avril. Avril. Avril.
Avril. Rappelle-vous avec la V, avril. 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 Mai. 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 Juin. 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 Juillet. 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 Août. 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 Septembre. 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 Octobre. Octobre. Novembre. Novembre. Décembre. Décembre. Très bien. Ok. Quelle est ta date de naissance, Lupita? Juin. Non, fíjate cómo yo lo puse. Je suis né le 21 novembre 1976. Quelle est ta date de naissance? Je suis né le 25 juin Ok, perdón. ¿Cómo nadie? Lo siento. Je suis désolé. Je suis désolé, ou pardon. Pardon, Lupita. Allez, Lupita. 1983. Très bien. Ah, tu sí es del 83. Oui. Pardon, je suis désolé. Avec double E parce que nous sommes femmes, oui? Con doble E porque somos niñas. Ok. Très bien. Ok. Marisol, dis-nous, quelle est ta date de naissance? Me sentí como los niños. Attrapé. Sí. 24 septembre 1985. Acuérdense que N suena 85. Ok, très bien, ma chérie. Bon, je suis la plus vieille, je savais. Sabía que yo era la viejita aquí. Dianita, Dianita es como del 2000. Dianita. Je suis né le 17 mars 1995. Ya vieron, les dije que era casi del 2000. 95. Oh, mon Dieu. Excelente. Ok. Je peux changer l'écran, le tableau. ¿Puedo cambiar esta pantallita? Oui. 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 Ok. Vous allez faire. Je vais essayer de le faire avec cette. Oh mon Dieu, je suis très mal pour ça. Vous allez faire un carré. Oui. Comme si c'était un calendrier. Oui. Et vous allez mettre les, vous allez mettre le, attendez, le mois de l'année, janvier. Non, me queda bonito. Je ne sais pas écrire comme ça. Bon, comme si c'était un calendrier, oui, ustedes lo hacen bonito. Janvier. Et vous allez écrire deux dates importantes de chaque et mois. Par exemple, pour moi, en janvier serait par exemple l'anniversaire de mon frère. Déjenme aquí si pongo un textito porque si no, no me va a salir. Et 19 janvier, c'est l'anniversaire de ma
Peur. Oui. 21 janvier, l'anniversaire de mon frère, de mi hermano. Ce sont mes deux dates importantes, sont las mías. Oui? Vous allez chercher deux dates importantes de chaque mois. D'accord? Oui, Lupita? Oui, Diana? Oui. Ok, va. Donc, vous avez 5 minutes, ça va? Con 5 minutes, ¿está bien? Oui? Oui. Diana, je n'écoute pas. No sé si estás hablando conmigo. ¿Mandé? ¿Es por mes? Por mes, oui. Ok. Comme un calendrier. Ok, je vais fermer un peu mon microphone parce que je vais pegar un grito. Ok? Attendez, no quiero que escuchen mi crueldad. Pardon. ¿Cómo andí, mamá? Mamá. ¿Mamá? No, atendé. ¿Andí, mamá? ¿Mamá? ¿Mamá? Ah. Oh, mon Dieu. Yo creí que los hombres eran los que estaban medio loquitos. Mer. No. Mer es madre y mamá es mamá. Ah, ok. ¿Sí? Merci. Mamá, 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 horrible, lo sé. Ma es mi femenino, ma, mamá, oui, ma, mamá, ma, mamá, o ma mère, mi madre, ya sé, me se le ríe todo el tiempo por eso, todo el tiempo están riéndose de eso, mademoiselle. Oh mon Dieu, je sais. Mais non, bon, c'est ma mère ou ma maman. Oh mon Dieu, Marisol. Es que escucha muchísimo. Yo sé, yo sé. Imagínate si te lo avientas así a decirlo
No, con pura adolescente ya me imagino. Imagine. Oui. Aujourd'hui, on m'a demandé, je me rappelle pas pourquoi, je crois qu'elle était en train de faire un exercice, et elle m'a dit, mademoiselle, comment on dit? Et mi maman, je dis, ma maman, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ok, oui, je sais, mais non, bon, on dit ma maman ou ma mère, oui? Oui. ¿Cómo nandí esposo? ¿Epo? Époux. ¿Epo? Oui, on ¿Epo? prononce époux, mais aussi, ¿Epo? espera, es más bonito ¿Como así. poposito? ¿Como Como poposito? époux, tu peux dire mon mari. C'est plus joli, mon mari, Mon que dire mari. mon époux. Mon mari. Mon mari. Mari. Mon Oh. Rappelle-toi, mari, ici, là, ailleurs. mari. Exact. Mon mari. Parce Mon que Marie, Marie, c'est comme en anglais. La prononciation, c'est comme mari. en anglais, Marie. Mon Marie. Oh. mari. Mon Exact. mari. Oui. ¿Puedes regresarle tantito a la otra es Oui, bien sûr. Liz? ¿S'il S'il vous plaît. Oui. plaît? Merci. De rien. ¿Cómo andí, papá? Papá, ese queda igual, papá u père, o sí. Mira, digo, mon papá. Ay. Mon papá, digo, mon père. Padre. Ese no suena tan bizarro. ¿Cómo Nandí solo? ¿Solo? Solo, solo, ça dépend. Solo de Solo. este. Solo la. No, solo el mes y el año de Ah Leno. oui, pas d'année. Leno and the Moy. ¿Lemoy? Les mois ¿Lemoy? et les jours. Ah. Le mois et ¿Lemoy? le jour. Oui, Et pas les d'année. yeux, de moi, C'est et l'année. les yeux. Oui, c'est l'année. OK. Ok, de moi, Solo. et les yeux. De todas Sí. maneras, te digo cómo se dice solo. Seul es Sí. solo de je suis seul, estoy solo. O je suis seul, femenina, ¿oui? Eso es Solo. solo de ese solo. Mais l'autre que tu as demandé, on va dire seulement. Salma. Solamente, ¿oui? Ah, solo Seulement. más. ¿Cómo son día aniversario de bodas? Oh, mon Dieu. Qué bonito que haya gente que todavía celebra esas cosas. Y me acordé, ¿qué hice? Yo celebro mi desenlace matrimonial. Aniversario de mariage. ¿Cómo Nandí? Que no. Wait. ¿Cuántos? ¿Cómo Nandí? ¿Cuántos? ¿Cuántos por demandé? ¿Pude mandé? Para preguntar, dices. Ajá. Le quiero decir, ¿pude mandé? Combien. ¿Le convinc? Combien significa cuántos.
¿Cuántos combían? ¿Cuánto? ¿Combían naf? Años, años. ¿Ane? ¿Ants? Ah, ants. Ajá. ¿Combían ants Marie? Ah, oui. ¿Combien an d'anniversaire? Oui, de Maria. ¿Combien an d'anniversaire Lupita? ¿Combien an d'anniversaire tu as? ¿Combien an d'anniversaire? ¿Cuántos años de casada, Lupita? 14. Oh, mon Dieu. 14, bon, c'est une, toute une vie, toda una vida. Ay, sí. Lupita. Ay, lo dije, lo pensé. Lupita, oh mon Dieu. On doit faire comme tu sais, des porras a Diana, parce que Diana est en train de commencer, ella va pensando. No me hagas caso, Diana. No, Diana. Mi perra. Marisol, ¿combien d'années tu as de mariage? Trois. Trois années, ah, tu trois aussi. Ans. Toi aussi, tu as dans la lune de miel. Non, trois années, 13. Ah, 13. 13. Oh mon Dieu, 13. Comment on dit juntos? Ensemble. Ensemble. Uh-huh. Dissept. Oh mon Dieu. Quatre. Catran. Ajá. Novio. Ah, oui, de petits amis o de couple. Couple. Ajá. Couple. Couple. Okay. Quatre. Quatre. Et Marie. Ajá. Trois. Tres. Oh, mon Dieu. No, que aguante, de verdad. Diana, sois comme elle. Tienes que ser como ellas. Pas comme moi. No voy a ser como yo, Moi que je n'ai pas aguanté. Pas beaucoup. Six, no, fueron 7 ans. 7 ans ensemble. Y otros 5 se han divorciado y otros 5 todavía casados, pero se han hecho ensemble, sin estar juntos. Oui, je sais. Je suis peu aguantadora. Tu peux, Diana, tu peux. C'est joli le mariage, es bonito. Oui. Le mariage a ses parties bonnes et ses parties différentes. Ok, vous avez fini? Oui? Plus ou moins? Oui, fini. Ok, Lupita, ça va? Plus ou moins? Moi en juin. Vas en juin? Ok, on va commencer et voir comment c'est, si c'est possible, oui. Ok, dis-moi, Marisol, deux dates importantes de mars. Mars? Oui. Non, comme on a dit, nadie. Pero il n'y a pas de date importante, ¿no? ¿Más? Pas no. Solo los aniversarios, ¿eh? No nada más los cumpleaños. Peut-être, no sé, no sé. ¿Qué cosa? Ok. Sí, porque yo sé que il n'y a pas tous les mois, ¿sí? Mi temps on. Le aniversario Benito Juárez. Oh, mon Dieu. Yo también tengo esa.
La expérience est différente. Ok, bon, oui, ça va, ça va. Ok. Moi aussi. Et autre de Mars? Bon, je ne suis pas féminazi, mais je crois que les jours des femmes, c'est important, oui. Ah, oui. 8 mars. 8 mars. Les femmes. Les femmes. Les jours des femmes. Les jours des femmes. Aha. Ok. 8 mars. Le jour. Mon anniversaire. Ah, oui. Oui, parce que tu as dit que ton anniversaire était en mars 17. 17. Ah, 17. Très bien. Ok. Lupita, deux événements importants pour toi en février. Février, cancer, février, l'anniversaire de ma fille. Ah, ma fille, oui. Très bien. Excellente. Un autre. Un 14 février, le jour de l'amour. Le jour de l'amour. Le jour de l'amour. Oui. Et, mais laisse-moi vous dire, en France, il n'y a pas le jour de l'amitié. De l'amitié? Non, c'est seulement le jour de l'amour. Oui. Le 14 février en France, le 14 de février en France, c'est seulement 14 février, c'est seulement le jour de l'amour. Jour des amoureux. Amoureux ou la Sainte Valentin. Mais pas d'amitié, non, c'est bien les amis. Oui. Ok, très bien. Et Diana, Diana, s'il vous plaît, dis-moi les dates importantes en août. Ah. 9 août. Est de mon papa anniversaire. L'anniversaire de ton père. Très bien. Ok, excellente. Très bien. Marisol, de septembre. 28, l'anniversaire de ma époux. Oh, mon époux. Mon époux. Si tu dis ma, c'est féminin. Ah. Et moi, je n'ai pas de problème, oui. Je n'ai pas de problème, ah. Si vous savez. Oui, oui, ça va. Chacun, cada quien. Non, macho, macho. Très bien. De mon époux, très bien. Ok. Et c'est ton anniversaire aussi en septembre, oui? Le tien aussi, et toi aussi. Ok, très bien. Lupita, s'il vous plaît, en décembre. Ah, non, diga décembre. A ver. Décembre. 7 décembre. El aniversario de mi hermana. ¿Cómo di hermana? Je lui dit a la Dina. Mais en francés, c'est sœur. Ma sœur. Si yo, yo a mi hermana le digo taladina. Ay, de mi taladina, ¿no? De mi taladina menor, de ma sœur. De ta sœur. Très bien, excellent. Ok. Ben, ça. Aha. Jour de Navidad. Ah, comment on dit Navidad en français? Comment on dit Navidad? Ah. Attendez. Noël. Noël. Noël, c'est Navidad. Okay. Très bien. Denita, un jour important pour toi en octobre? Non, tengo. Bueno. Pas de jour important en octobre? Ninguno.
No, ni Halloween. Ah, Le Halloween. En francés, Halloween. on écrit de la même manière, mais on dit Halloween, oui. Ok, vous savez, en France, on ne fête pas l'Halloween. On fête la Toussaint, oui. Et la Toussaint, c'est comme les jours des morts ici au Mexique. La Toussaint. Ok. Maintenant, vous allez me dire quelle est votre festivité favorite, oui, de l'année. Votre festivité en général, oui, je ne sais pas, Noël, le 15 septembre, etc. Et vous allez me dire comment est-ce que vous les fêtez et pourquoi c'est votre festivité favorite, oui. Avec un petit texte, bien petit, bien clair. Par exemple, le mien, ma festivité favorite, c'est le 15 septembre. Parce que je mange des pambazos. Oui? Parce qu'il y a beaucoup de la nourriture mexicaine. D'accord? C'est ça, c'est simple, oui, así de sencillo. 2 minutes, oui? Pour que vous parlez de Oui. votre festivité favorite. ¿Cómo, Nandi? ¿Por qué? Pourquoi des ¿Por qué? questions ou des réponses? Réponse. Ok, des réponses est-ce parce que? Pasco. Parce que. Oui. Pasco. Et comment on dit pour qué des questions? Comment se dice pour qué en pregunta? Pourquoi? 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 Exactement, Pourquoi? très bien. Pourquoi? ¿Para qué? ¿Para? ¿Mm? ¿Bien? ¿Está bien? ¿No te molesta? Pues sí, pero ya ni modo. Agarra este. ¿Estás enojada? Sí. Yo siempre estoy enojada. Soy una mamá de un adolescente. Vivo enojada. Ese es mi poder. Adiós. Ya, por favor. Bye.
¿Ça va? ¿Cómo nandí mi familia? ¿Mo familia? Ma familia. Ma familia. Ma familia. Familia. Ma familia. Ma familia. Ma familia. Ya fini. Ya fini, très bien. On attend un peu. Dianita, ¿cómo se va? ¿Cómo vamos? Bien, fini. Okay. Donc, Lupita y Diana, ¿vos avez fini? ¿Y Marisol, ça va? Le fini. Ok, très bien. Ok. Et Lupita, ¿es que tu peux nous partager ta date, ton événement préféré de l'année? Mes festivités favoris et Nouvel An. Parce que nous sommes tous en famille. Très bien, oui, oui, excellente. Ok, et Diana? Ma célèbre préférée est le Dieu de Mons, parce que ça fait de moi un jour magique. Ah, très bien, oui, excellente, muy, muy bien. Merci beaucoup. Marisol? Mon festivité favorite. Je m'anniversari parce que je mangi tart et je recevois cadeaux. Des cadeaux. Des cadeaux. Et mon festivité favorite, Noël, parce que ma famille sont ensemble. Ok, très bien, excellente. Muy, muy bien. Donc, les festivités favoris, oui. Son importantes pour ça, d'accord? Quelles seront les festivités en France? Qu'est-ce que vous pensez que sont les festivités en France à différence du Mexique? Je vous ai dit un, je les dis une, oui? Que c'était la Toussaint. Quelles seraient les festivités en France? A ver, ¿conocen alguna? Niños. Día de niños. Le jour d'enfants. Enfants. Francia. No, no creo. Mer. No. Profesor. Ils ne sont pas très familiales. Ok. La festivité plus importante, c'est le 14 juillet. Pourquoi? Pourquoi le 14 juillet? Napoléon. Okay. Independencia. C'est l'indépendance. Non, ce n'est pas l'indépendance. Parce que rappelez-vous qu'en Europe, il n'y avait pas de colonies comme ça, comme telle. Il n'y avait tant comme ici. Oui? C'est la Révolution française. Oui? La prise de la Bastille. Le 14 juillet. Après, fíjense, mes élèves, oui, et mes élèves me disent toujours qu'ils voulaient aller à l'école en France parce qu'ils ont 4 périodes de vacances. 4 différentes, oui. Ils ont les vacances à Noël, bien sûr. À Noël, que c'est bon, pour le 25, 24. Décembre au, je ne sais pas, 2 janvier, oui. Ils sont un autre, que ce sont les Pâques. Ce sont les 2 semaines. Hein, les semanas grandes, comme nous, comme las, comment on les appelle, Semana Santa, oui. Ils sont les vacances. Vacances d'été, que c'est entre juillet et août, presque 2 mois, presque 2 mois de vacances. Ah oui, et ils sont les vacances de la Toussaint.
Oui. C'est à la fin d'octobre et on commence de novembre. Oui. Ce sont deux semaines aussi. Deux semaines. Par exemple, nous avons les jours de mort. Les Français ont pris la Toussaint des jours de mort. C'est-à-dire tous les saints, comme nous. Oui. Et ils célèbrent, ils fêtent aussi les jours de mort. Et ils ont deux semaines de congé à ces périodes. Tienen esas dos semanas de vacaciones pour fêter les morts. Je crois que j'adorerais avoir les deux semaines de congé. A mí también me encantaría tener esas dos semanas. Oui, on serait en vacances maintenant. Ya estaríamos de vacaciones ahora. Oui. Ok. S'il vous plaît, comme devoir. Ay, perdón, lo quité. No, no lo quité, ¿verdad? Se sigue viendo. Ok. Je peux changer le tableau. ¿Puedo cambiar el pizarroncito? Oui. Ok. Votre devoir va être de chercher deux festivités. Du pays francophone. Oui. Deux festivités d'un pays francophone. Peut-être la France, mais on a déjà vu la France. Peut-être de France. Yeah. Peut-être de Belgique, peut-être de Canada, peut-être de Haïti, oui. Peut-être de Cameroun, oui. Quelles sont les festivités? Quelle est la date des festivités et comment est-ce qu'ils fêtent et comment le célèbrent? D'accord? De tarea, non? Oui, de tarea. De tarea, ¿verdad, Emi? Le devoir. Chercher deux festivités. Ah, il me falta una S aquí. Deux festivités. Du pays francophone. De un pays francophone. Le pays que vous décidez, oui? Je vous ai dit, bon, qu'est-ce que c'est francophone? Qu'est-ce que c'est francophone? Qu'est-ce que signifie là? Francophone. Ah, nada más me dicen oui, oui, no saben. Ah, oui, oui. Fran. ¿Cómo Nandi? Ah, le entiendo que es porque hablan francés. Exactement, francophone. Ajá, ça veut dire qu'il parle français. Ce sont les pays où le français est une langue officielle. Oui, ça c'est un pays francophone. Eso es un país francophone. D'accord? Ok, il y a des questions? No. País, pays. País, país. Pays es país. Ah. En singulier et au pluriel aussi. Tanto en singular sí. Como en plural, pays significa país. Sí. Países. Pays, entonces ahí también la A con la Y suena como, o no como, pays. Pays, como la. ¿Tú te rappelles que ahí suena E? Sí. Ajá. ¿Sí? Donc la A, c'est le pays. Pays. Sí. Tengo una pregunta. Me habías comentado que de cuando dije mi esposo, ma, mi, ah. Plural, femina. Femina. Y aussi, je vais vous dire, lo voy a adelantar un poquito, pero lo vamos a ver después. Mon. Ah, ok. Mon. Okay. No, no, pero igual lo adelanto un poquito. Déjame, lo pongo acá okay. Mismo en uno de estos. ¿Dónde? Lo voy a poner en el chat, pero no. Déjame, hago otro cuadrito abajo. Ok. Ay, perdón. Oui, editar.
Mon es cuando es masculino, no tú, sino la cosa que posees. Por ejemplo, es que es un posesivo. Es muy femenino la cosa que poseo. Mon papá, si fuera mi mamá, quedamos que era ma. Mamá, ¿sí? Mamá. Si hablo de mis papás, digo me. Este es plural. Masculina, femenina, pluriel. ¿Sí? Mon, époux, ou mon mari. ¿Sí? Si fuera mi esposa, diría mon, époux. ¿Por qué? Porque empieza con vocal, pero se lo voy a explicar después. Pero solamente ese, solamente si empieza con vocal. Digo, ma femme, mi mujer, mi esposa, ¿oui? Pero normalmente, mon es pour masculin y ma es pour femina. ¿Oui? Oui, merci. De rien. On va le voir. To, lo vamos a ver muy pronto este. Oui, le possessif. D'accord? Et la famille, bien sûr. Ok. Très bien, mes chéris. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aller dormir, finir les qualifications. Je ne sais pas. Ok. Au revoir, mes chéris. Bonne journée. Bye. Bonne nuit. Bonsoir. Good night. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye, Denita.